Salut à tous. Donc là, juste pour vous dire déjà, je me suis paumé de route. Donc en fait, c'était pas par là qu'il fallait. Enfin, je me rappelais qu'il fallait aller à un temple, mais je me rappelle plus où il était. Alors que je suis passé devant comme un con. Enfin, quand je pense que si j'avais changé d'émulateur avant de faire Golden Sun 1, il n'y aurait pas eu de lag. J'ai envie de le refaire du coup. De refaire les vidéos, mais ouais. C'est un peu le bordel. Hein. Ouais. Et hop. Donc j'ai trouvé un truc assez sympa. Non, marrant, c'est bon. Donc ouais, je trouve un truc assez sympa, bon c'est surtout pour se marier, mais c'est vrai, hein. C'est tout ce que je vais vous dire là, c'est vrai. Voilà, il ne veut pas nous laisser passer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là. Voilà, donc là il faut utiliser, merde, les synergies. Donc on a tourbillon grâce à elle, et lui on va lui mettre déplacé en... Voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire qui est marrant, c'est les noms japonais et américains des personnages. Alors tenez-vous bien parce que c'est complètement con. Alors déjà, Pavel, il s'appelle en japonais, il s'appelle Garcia. C'est un concierge. Non, je déconne. Donc il s'appelle Garcia. C'est bon. Et en comment? En américain, il s'appelle Félix, comme la bouffe Porsche. Non, Porsche ou Porsche? Ouais, Porsche. Enfin, je sais plus. Alors Lina, elle s'appelle. Alors là, vous allez voir, ouais. Une nouvelle sorte de synergie qui n'existait pas dans le 1. C'est pas, hein, c'est pas ça. Vous allez voir la nouvelle sorte de la nouvelle sorte de synergie. Vous voyez. À droite là, au milieu à droite, l'espèce de ficelle, de corde. Et ça c'est une synergie qui n'existait pas dans l'un. Attaché je crois elle s'appelle. Voilà, j'essaie de l'éviter, hein. C'est un temple zen on va dire. Voilà, donc oui, le nom de Lina, alors elle s'appelle Jasmine en... Non, c'est pas la copine d'Alan, hein. Elle s'appelle Jasmine en... Comment? En Jap. Et en US, enfin en américain. Elle s'appelle... Elle s'appelle Jenna. Bon, là encore, ça va. Putain, une mimique dès le début du jeu, là, ça va. Double attaque. Et alors la CIA, bah vous vous rappelez que il s'appelait Félix, hein, Pavel, en américain. Voilà. CIA, elle s'appelle Sheba. Ça fait deux marques de bouffe pour chien et pour chien dans les noms. Alors je sais pas si c'est fait exprès, hein. Mais quand même, Sheba et Félix, quoi, c'est un peu con comme. Et elle s'appelle Shiba en Jap. Shiba et donc Shiba, en fait, je sais pas si vous savez mais en japonais. Ah oui alors attendez, je vais arrêter de parler de ça. Vous avez vu que j'ai reçu un ticket de jeu, donc vous verrez là comme dans le 1 où il y a Tolbi, on va aussi avoir un truc avec des mini-jeux. Il y en a plus d'ailleurs. Donc oui, ce que je voulais dire. Merde, je pourrais pas dire. Oui. C'est qu'en japonais, les V, ça se prononce comme des B, en fait. Enfin, un V et un B, ils font pas de différence. C'est comme un L et un R, quoi. Ouais. On prononce ça L dans les deux, quoi. Ils roulent. Et... Merde.
Et donc Shiba pour eux ça se prononce pareil quoi. Donc je sais pas si ça vient de ça. Voilà. Et sinon le quatrième perso en Jap il s'appelle Picard. Il pense qu'à la bouffe, c'est dingue. Je sais pas pourquoi. Mais... Bon. Donc, je vais pas vous dire le nom US et le nom européen de Picard parce que bon, ça sera du spoil. Parce que le nom US et le nom européen c'est le même. Hein. Et si je vous le dis, bah après, c'est pas un petit peu vous spoiler quoi. Parce qu'on va savoir qu'il est dans notre équipe dès qu'on va le voir, donc c'est pas drôle. Alors là, qu'est-ce que je mange? Voilà. J'arrive, je m'en mêle les pinceaux dans les touches là. Oh. Donc voilà, ça me fait bien marrer quoi. Il y a Picard, Félix et Sheba dans notre équipe quoi. Donc voilà, si vous voyez des versions. Enfin des comment. Enfin dans la version Jap, vous verrez pas parce que c'est écrit en kanji de toute façon, en caractère japonais. Mais putain mais qu'est-ce que je fais. Oui. Mais non. N'importe quoi. C'est quoi ce bordel? Donc ouais, si vous regardez des versions des vidéos de version US qui s'appelleront Félix, Jena, Sheba et quatrième je vous dis que je vous le disais pas. Voilà. Donc ça c'est le petit mec qui voulait passer. Ouais bah là tu vas méditer par terre, t'as raison. Putain, j'arrive même pas à viser une échelle quoi. Je suis vraiment un handicapé. Ah oui, la musique a totalement changé, hein, la musique de combat. Je préfère bien celle-là que... Ouais, je la préfère largement à celle du 1. Hein. Elle fait plus héroïque et tout. D'ailleurs, vous verrez, les synergies sont largement mieux. Enfin, moi, je les préfère. Donc, les synergies, ouais, déjà, il y a plus de jeans. Vous vous rappelez qu'il y en avait 7 par perso dans le 1. Mais là, dans le 2, il y en a... 9 par perso. Il y a 8 persos. Mais les... Bon, attendez, je peux rien vous dire de plus sans vous spoiler les autres. Enfin, en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'en tout, là, il y en a 4 x 7, 28. Il y en a 28 à récupérer dans le 1. Là, il y en a 4 x 9, 36. 44. Il y en a 44 à récupérer là. Oui, alors vous avez vu le jean là, on pouvait pas le récupérer. On pourra le récupérer seulement quand on aura la magicienne, je vais dire. Putain, je suis intoxiqué de précis. On pourra la récupérer seulement quand on aura la synergie. Comment ça s'appelle? Attaché. Ouais. Enfin, je crois qu'elle s'appelle attaché. Ouais. Je vais dire une grosse connerie. Je préfère me retenir. Hop, on apprend mur de feu avec Lina. Un petit fumigène. Qui peut toujours servir. On peut pas passer par là. Hein. J'avais cru, dis donc. Je pensais pas un peu. Ah non, c'est la coupe. C'est par là qu'on peut passer. Donc, on va passer par l'eau. Vous voyez, les décors sont déjà plus variés que dans le. Que dans le 1. Quoi. Enfin, pour l'instant, on a plus vu grand chose, mais dans le 1, c'était bon. Forêt, montagne et puis point barre quoi. Alors que là c'est beaucoup plus varié. Qu'est-ce que je fous? N'importe quoi. On est par là. Alors je me perds dans des trucs. Je me perds dans des Lego là, c'est vrai. Ah oui, alors vous allez voir comment on fait. Ah oui, voilà. Il faut pousser l'arbre, enfin le tronc, sur un des trucs pour activer l'autre. Enfin, pour que l'autre aille plus haut, quoi. Parce que toute la pression va ici, du coup. Et toc.
Ah oui, alors ça c'est génial. Vous allez voir ce que c'est. Carte mystère. C'est un objet, je crois, qui permet de changer de classe. Ouais, c'est génial ça. En fait, dans Golem Set 2, même si ça suffisait pas toutes les classes qu'on peut faire avec les jeans, ils ont fait un truc. C'est qu'ils ont rajouté des objets, il y en a 3. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'en avais trouvé 3. Mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Qui permettent de changer de classe. C'est-à-dire que avec cette carte mystère, je peux mettre n'importe qui en Pierrot, c'est ça? Pierrot, ouais. En Pierrot. Et après, je peux chanter. Et après, ouais, bah, je peux être cette classe, quel que soit mes jeans, etc. Par contre, je sais pas si la classe évolue en fonction des nombres, du nombre de jeans qu'on a, je m'en rappelle plus. Alors, ce que j'ai toujours adoré dans Valence 2, c'est que les combats, même si il y en a pas mal. Ah, j'ai appris stalactite. C'est que comme en marchant on récupère notre vie, quoi, notre vie, notre nos PP, ou nos points de synergie, mais c'est qu'on peut s'amuser pendant les combats, quoi, parce qu'il y a des RPG en général, bon, on fait que attaquer pour pas trop user nos MP, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, parce qu'on veut pas les user nos MP à cause du fait que... qu'on veut les réserver pour les boss, etc. Alors que là on s'en fout, on les utilise et puis rien à foutre, on les récupère en marchant, donc il y a toujours une certaine quantité de PP qu'on peut utiliser, quoi, sur les ennemis, donc ça fait des combats dynamiques, on peut balancer plein de sorts, etc., quoi. Ah bah oui, je sais pas. Merde. J'ai oublié de sauter sur l'autre. Donc là, on va les former avec des grandes box, des ennemis vachement originaux. Je vais les former avec des grandes box, les loups avec des gueules bizarres. Ça, c'est le loup, on dirait qu'il est en comment? En bronze. On aura un peu une statue de loup en bronze, quoi. J'ai fini de dire la remarque à la fin. Donc là, on arrive finalement près du jean qu'on ne peut pas récupérer pour l'instant. Et on va bientôt arriver à la fin du donjon. Je vais appeler ça comme ça, un donjon. Enfin, c'est une caverne, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, il y a l'épreuve finale de la caverne. Enfin, j'appelle ça une épreuve finale, mais c'est même pas une épreuve. Tellement c'est con. De toute façon, ils auraient dû faire des trucs plus compliqués au début du jeu, parce que bon, on considère que ceux qui jouent aux deux ont déjà joué au 1, quoi. Alors regarde, faites apparition le désir et le feu s'apaisera. L'idée de votre esprit, vous ne connaîtrez plus la douleur. Ouais, il faut... les moines, je pense qu'il fallait qu'ils touchent le truc brûlant en le poussant, quoi. Nous, on s'en fout, on utilise une pierre, je dis, on se crame pas les doigts, hein. C'est pas pratique, d'ailleurs, pour sortir les trucs du grippin. Et là, boss. Donc je vais pas trop parler. Hein. 3 grands singes. Qui prennent la terre apparemment. Non, le feu. Thank you.
Alors ça c'est très utile gaz parce que c'est un truc qu'on n'avait pas. Dans le 1 on avait langue de feu. Mais c'était la seule attaque sur qui pouvait faire des dégâts sur un ennemi quoi. Alors que là maintenant on a gaz, on a trois évolutions de gaz. Voilà, bon je rebaisse un peu le son vu qu'on a fini le boss. Et là, hop. Bonjour ça. Encore une question inutile. Et relié, c'était pas attaché. Ah bon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc là, il va nous montrer la synergie. Hop. Mais c'est de la synergie. On s'en fout du nom. Synergie, c'est pareil. Pardon. On se met en mode koala là pour grimper, c'est énorme. Tanana. Pardon. Tu vois comment il grimpe, c'est énorme. Voilà. Et donc là, comme dans le 1, on a des objets pour apprendre certaines synergies. Donc du coup, on peut les donner à tout le monde. Là, je vais le. Ah, je me gourde de touche. Je vais donner l'objet à Cilia. Parce que je sais pas, ça fait plus synergie de l'air que autre chose. Enfin, non, plutôt de feu, mais bon. Voilà, donc là, le piquet d'avant. Attends, de quoi? D'amantite? Non, d'attache. Ouais, mais moi, j'ai fumé quoi là? Piquet d'attache, je vais piquer d'adamantite. N'importe quoi. Et on va chercher le djinn. Alors je sais pas s'ils ont engagé un groupe africain pour, pour faire la musique de cette truc. Parce qu'on entend le tam-tam, enfin je sais pas si vous l'entendez bien. Mais... Non, apparemment la vidéo va dépasser les 20 minutes, tant pis. Pas de choix. Et on va utiliser la synergie qu'on a eu grâce au piquet d'attache. Pour récupérer ce djinn qui nous attaque. Parce que vous rappelez, il y a des djinns gentils et puis d'autres. Enfin, il y en a quoi, ils se laissent convaincre facilement alors que. Il y en a certains voilà, qui résistent. Mais bon, avec gaz, ça va aller assez vite. Vous allez voir, il est aussi fort que les trois boss, quoi. Plus même. Il fait plus de dégâts que les trois boss réunis. Et voilà. Ah bah en fait, je dépasse même pas les 20 minutes. Bon bah, salut alors. Et on se retrouve à la suite. Vous inquiétez pas, c'est un RPG, hein, donc ça devient de mieux en mieux. Au fur et à mesure, hein. Faut attendre. Allez, salut.